C'est un grand sujet, en fait, oui. C'est difficile de le limiter dans une définition. Le temps, c'est... En tout cas, pour moi, je m'inspire beaucoup des religions, des civilisations anciennes et tout. Et ça m'a inspiré justement le nom, c'est Kala. Kala en sanskrit, ça veut dire temps. Et la deuxième œuvre, ça s'appelle Kala Chakra, ça veut dire la roue du temps. Et c'est en fait, pour les hindous, la notion de temps est cyclique. Donc il y a des cycles. Donc il y a la naissance et la mort, et puis une nouvelle naissance et une autre mort jusqu'à la transcendance, etc. C'est une interprétation plutôt spirituelle. Ça me parle beaucoup et ça me touche beaucoup. Alors là, c'est une nouvelle expérimentation, mais moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était à la base de la photomanipulation, de l'art digital, ce que je fais souvent. C'était de l'IA aussi, de l'intelligence artificielle. J'ai généré des visages avec ça. Oui, parce que réellement, je ne suis pas totalement contre l'IA. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai utilisé ce médium et je l'ai impliqué dans mon travail avec ce que je faisais avant. Ça veut dire la peinture numérique, la peinture digitale et tout, et la photomanipulation et tout. Mais cette fois, en intégrant la lumière et de LED et avec un tissu assez spécial qui ne laisse pas réellement passer la lumière, c'est assez opaque, le noir, qui fait révéler seulement la photo en lumière, l'image en lumière, à part le noir.